Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Pixel Hero et nous allons parler des primes. Alors au début, vous ne l'aurez pas, ça va se déverrouiller tout doucement, je crois au chapitre 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Et ça va se mettre sur le côté ici, donc c'est des primes, donc en gros, ce sont des missions que vous allez envoyer avec vos héros par rapport aux catégories, aux classes, aux étoiles, etc. Voilà. Il faut avoir tout ça comme paramètre pour pouvoir les envoyer. Donc dès que vous allez les déverrouiller, vous en avez sur le côté, sinon vous appuyez sur gratuit, il y en a d'autres qui se mettent, voilà, et vous avez plus qu'à envoyer dessus. Donc par exemple, expédition, je clique dessus. Il me faut 3 étoiles avec le loup là, je sais plus c'est quoi. Vous voyez, 1 3 étoiles, j'en ai un là. Hop, j'envoie expédition. Donc pendant 6 heures, il part en mission. Et quand il sera arrivé, ben, je gagnerai ces 2 ressources là. Et pareil, j'envoie les autres. Voilà. Et si vous avez assez de ressources, des fois vous pouvez en faire plus. Donc voilà, il y avait ça. Et après, si j'appuie sur gratuit, je peux en avoir d'autres encore où ça change par rapport aux autres petites. Donc à bien regarder ce que vous avez, ce que vous pouvez gagner. Et si ça vous va, ben vous les lancez. Si ça vous va pas comme ressources, eh ben vous changez et vous prenez d'autres ressources. Donc là vous avez fragments pour changer et là vous avez gratuit. Je crois que vous avez 2 fois gratuit par jour. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Privilège de prime. Ah, je peux avoir ça pour ça. Eh ben écoute, vas-y, on y va. Hein. Le pack. Voilà. Alors, comment avoir ces fameuses notes de chasseur? C'est très simple. Vous les avez ici dans le mode, vous voyez ici, dans le mode AFK. Vous en recevez. Plus vous avancez dans le niveau, plus vous en recevrez. Là, j'en reçois 10 par minute. Voilà. Vous en avez aussi ici quand vous mettez le 3 fois AFK 120 minutes. Donc, faites les 3 fois ici, pour pouvoir avoir assez de parchemin pour pouvoir les lancer. Et donc là après il suffit juste de voir ce que vous avez pour en lancer d'autres. Mais comme vous le voyez, il faut au moins toujours 1500 parchemins pour en lancer une. Donc si vous voyez que vous n'avez pas au moins 1500 pour en lancer plusieurs, ça sert à trop à rien de lancer. De refaire une mise à jour, ça ne sert à rien, vous perdrez les missions qu'il y a là pour rien. Donc attendez bien qu'il y ait quelque chose qui est marqué et que vous essayez que vous ayez assez de parchemins. Là, c'est 1500 pour une. D'ailleurs, là, j'en ai une, là, c'est 1500. Et les autres, elles sont déjà envoyées. Donc, pour en faire des nouvelles, ça ne sert strictement à rien. Donc, ayez assez de parchemin. Voilà. Eh ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo bien précise sur ce jeu ou sur un autre jeu, ben, laissez-moi un petit commentaire. J'essaierai de la faire si je peux. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game, et on se retrouve à bientôt.